Hello les gourmands et bienvenue sur H&L Food Diaries. En ce mois de février, on commence assez gourmand avec cette recette de pot de crème au chocolat qui peut être un succès pour la Saint-Valentin. Donc pour commencer, dans une casserole sur feu doux, vous allez verser votre crème et votre lait et vous allez le chauffer. Et là, vous pouvez trouver tous les ingrédients sur hlfooddiaries.com. Et dès que ça commence à bouillir, vous allez ajouter vos morceaux de chocolat et vous allez remuer jusqu'à ce que ça fonde. Ensuite, vous allez battre vos jaunes d'œufs avec le sucre. Puis vous allez rajouter le mélange de crème, lait et chocolat. Et vous allez passer le mélange au passoir pour ne pas avoir de grumeaux. Puis vous allez mettre vos pots dans un moule, mais vous pouvez utiliser aussi des ramequins. Et vous allez verser le mélange dans ces pots. Puis vous allez les enfourner en rajoutant de l'eau bouillante pour créer une sorte de bain-marie. Et vous allez enfourner à 150 degrés pendant 30 à 35 minutes. Ensuite, à la sortie du four, vous allez les laisser tiédir, puis vous allez les couvrir et les laisser au frais dans un réfrigérateur pendant au minimum 4 heures. Après 4 heures, nos pots de crème au chocolat sont prêts. Mais il y manque la déco. On va rajouter par-dessus de la crème chantilly. Coupeau de chocolat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, bon Saint-Valentin!